Depuis la Thaïlande, Mathieu, agriculteur phare de la saison 15 de L'Amour est dans le pré, a posté une photo de lui, dans l'eau, fou de joie. Sourire aux lèvres et regard tourné vers le ciel azur sur le cliché, l'ex-compagnon d'Alexandré a profité de l'occasion pour partager un message plein d'émotion et de positivité à ses 176 000 abonnés. S'épanouir, a-t-il d'abord lancé comme maître mot, avant de conseiller à ses fans de ne pas attendre, d'être face à un gros accident de la vie pour vivre, leur, vraie vie. Plus intimement, Mathieu a évoqué son état de santé, lui qui souffre d'une maladie incurable dont il parle fréquemment et sans tabou. L'annonce de cette maladie a finalement été peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée car elle m'a donné le courage de vivre ce que j'avais envie de vivre, a-t-il affirmé, touchant, en se donnant les moyens de n'écouter que son cœur. L'éleveur de taureaux a ensuite développé son propos, plus inspirant que jamais, le courage de ne pas être dans une des cases que notre société nous impose. Le courage de ne plus faire attention au regard de certains et au qu'en dira-t-on des autres. Le courage de faire le bonheur sans rien demander en retour. Le courage de vivre sa meilleure vie. Supérieur à L'Amour et dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble? Une nouvelle vie qui est le fruit de son travail acharné sur sa lancée, l'ancien participant de L'Amour et dans le pré a tenu toutefois à faire une petite mise au point en anticipant les éventuelles réactions de ses détracteurs, certains prendront des raccourcis en disant que maintenant que je suis passé à la télé, si est-il facile pour moi, de voyager en Asie ou, plus généralement, de vivre sa vie comme il l'entend, note de la rédaction, mais ils n'auront pas l'intelligence de voir que derrière tout ça il y a un travail acharné, une niaque sans fléchir, une volonté sans sourciller. Mathieu a ensuite déclaré, en guise de piqûre de rappel aux internautes, qui pourraient se retrouver coincés dans leur routine, « Vivez votre meilleure vie dès maintenant, chacun à son niveau, aimez et donnez sans rien attendre en retour, tracez votre route vers votre bonheur sans vous retourner. Aimez-vous. Aimons-nous. » Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture écran Instagram. Keep taking a chance. You can't.